Thank you.
Va commencer dans quelques instants. Ce serait bon que nous entrions un peu dans un climat de recueillement. Merci beaucoup de l'effort que nous faisons. Plusieurs personnes sont sûrement heureuses de se retrouver. Il faudrait que nous puissions avoir ce climat de recueillement pour commencer la célébration. J'imagine que vous avez tous et toutes pensé à éteindre vos cellulaires. Je vérifie le mien. Il est éteint. Vous voyez que nous sommes très, très nombreux, très tassés. Alors, pour la communion, je vous donne des consignes tout de suite et je vous les répéterai juste avant la communion. Alors, les personnes qui sont dans les chaises ici vont défiler les premières. Et après que les personnes dans les chaises, il y aura deux postes de communion ici, deux au deuxième tiers de la chapelle et deux dans la chapelle Notre-Dame des Victoires où il y a aussi des gens. Quand les gens des chaises auront défilé, les gens des stalles, vous sortez par l'autre bout, vous en venez et vous revenez, un sens unique. Et comme il y a beaucoup de monde, à peu près tout le monde va devoir circuler. S'il y en a qui choisissent de ne pas communier, vous pouvez vous présenter devant le ministre, les bras croisés sur la poitrine, et il vous donnera une bénédiction. Alors, nous serons prêts à commencer dans quelques instants. Encore une fois, mettons tout notre cœur à accompagner les futurs diacres qui seront ordonnés tout à l'heure et aussi rendons grâce pour tous les fruits de la fin de semaine qui ont été très nombreux et pour lesquels nous sommes très reconnaissants. Alors, je vous invite à vous lever. Nous sommes prêts à commencer la célébration. Thank you.
Saint-Esprit. La paix soit avec vous. Chers amis, bienvenue à cette fête où nous fêtons la résurrection du Seigneur. C'est le jour du Seigneur, mais surtout que nous pouvons célébrer le 175e anniversaire du Grand Séminaire de Montréal. Et à cette occasion, nous avons accueilli ici, dans ce lieu, mais surtout dans cette communauté, à peu près 200 jeunes qui, pendant les 20 semaines, ont médité sur leur mission, sur leur vocation baptismale, religieuse, presbytérale, ou la vocation diaconale ou à la, au mariage. Alors, Monseigneur Christian Lépine, l'archevêque de Montréal, bienvenue. Si bienvenue, très chaleureux à son éminence, Monseigneur Luigi Bogatti, nonce apostolique, qui a passé aussi 3 jours avec nous. Nous sommes très heureux de les avoir avec nous. Évidemment, tous les prêtres et tous les diacres qui se sont joints à nous, et vous, mes chers amis, la famille, et les amis de nos, nous en pouvons, bientôt nous vont donner Christophe, Claude et Franck. Alors, mes chers amis, nous sommes très heureux que nous pouvons fêter ensemble ce nouvel événement de l'Église. Et au nom de la communauté du Grand Séminaire, je vous dis un chaleureux bienvenue et bonne célébration. C'est le Seigneur qui nous rassemble et en cette fête de l'Eucharistie, en cette fête du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, c'est la fête de Jésus-Christ qui est présent. C'est la fête de la présence de Jésus-Christ dans nos cœurs, dans nos vies, dans l'Église, dans son Église. Et nous faisons l'expérience en fin de semaine, toute la fin de semaine, que le grand séminaire est trop petit. Alors c'est une belle expérience. On s'excuse s'il y en a qui se sentent un peu trop tassés, mais on est content. On est content que ça arrive. Et donc, je salue son Excellence, M. le recteur de nonce apostolique, M. le recteur du grand séminaire. Je salue tous les jeunes qui ont passé toute la fin de semaine ici, tous les membres des instituts de vie consacrés, des communautés religieuses, des mouvements qui ont participé au kiosque et qui ont animé la fin de semaine. Tous les jeunes qui se sont donc, qui ont cheminé à travers cette fin de semaine, mais aussi tous ceux et celles qui sont venus de Notre-Dame d'Afrique, Saint-Germain, d'Outremont, d'Ifeza, pour être présents à l'ordination diaconale de 3 nouveaux diacres. Alors, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur dans la reconnaissance de son amour pour nous, mais aussi dans la reconnaissance de nos limites, de nos fragilités, de nos échecs, parfois, dans notre fidélité envers Jésus-Christ, envers son amour et envers notre amour pour les autres. Mais nous pouvons demander pardon parce que nous connaissons la miséricorde de Dieu et qui est tout puissant et qui a le pouvoir de vraiment renouveler notre âme, notre cœur, notre esprit. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Chantons gloire à Dieu. Thank you.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer de si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Thank you.
Seigneur, de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur? Moi, quand tu brises les chaînes. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce. J'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur. Oui, devant tout son peuple. Reading from the letter to the Hebrews. Brothers and sisters, when Christ came as a high priest of the good things that he have come, then through the greater and perfect tent, not made with hands, that is, not of this creation, he entered once for all into the holy place, not with the blood of goats and calves, but with his own blood, thus obtained eternal redemption. For if the blood of goats and bulls, with the sprinkling of the ashes of heifer, sanctifies those who have been defiled, so that their flesh is purified, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to worship the living God? For this reason, Christ is the mediator of the new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, because of death has occurred, that redeems them from the transgressions under the first covenant. The word of the Lord. Thank you.
comprenez ceci encore. Puis, prenant un coup de ronde en grâce, il la leur donna, ils en burent tous, et leur dit, « Ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis. Je ne boirai plus du fruit de la vie jusqu'à ce jour où je boirai en vie nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté le psaume, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire, de penser, d'entendre, l'amour, c'est compliqué? On l'a entendu hier soir dans une pièce, l'amour c'est compliqué. Et peut-être de même que quelqu'un peut dire, l'amour c'est trop compliqué, ça vaut pas la peine. Ou peut-être que quelqu'un peut dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre? Tellement ça semble compliqué. Je ne donnerai pas de réponse immédiate. Mais on va passer par Jésus. Parce que si vous voulez comprendre l'amour, si vous voulez entrer dans le mystère de l'amour, si vous voulez entrer dans le mystère de votre vocation à l'amour, contemplez Jésus. Regardez Jésus. Méditez la Bible. Regardez la vie de saints et de saintes dont la vie sont l'Évangile en action. Et ça va vous aider à découvrir de plus en plus. On n'a jamais fini de découvrir ce qu'est aimer, notre propre vocation à l'amour. Mais on peut marcher sur le chemin de l'amour dans la confiance, centré sur Jésus avec l'aide des saints et des saintes. À chaque Eucharistie, au moment de la consécration du pain et du vin, le prêtre prend des paroles que l'on trouve dans l'Évangile d'aujourd'hui, que l'on retrouve aussi telles quelles dans certains passages de Saint Paul, dans les autres Évangiles synoptiques. Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang versé pour vous. This is my body given up for you. This is my blood poured out for you. In a certain sense, we could say, when we look at Jesus Christ giving his life on the cross, it's the greatest moment of love of God for us, but also of wisdom on what it is to love. En Jésus-Christ, l'amour n'est pas un projet qu'il espère réaliser un jour, auquel il aspire. En Jésus-Christ, l'amour est toujours en acte. L'amour est éternel, l'amour est toujours en acte, il est toujours présent, il est toujours agissant. Et c'est pour ça, c'est un des aspects de Jésus-Christ, que lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, c'est pas seulement qu'un enseignement qu'on rencontre, c'est une vie. Ce qu'il dit, il le vit. Dire, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. Et c'est ce qu'il fait. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et c'est ce qu'il fait. Il ne dit pas les choses qu'il ne fait pas. Et lorsqu'il le dit, c'est ce qu'il le fait déjà. Ce n'est pas je vais le faire, c'est que c'est déjà fait. La
parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Il l'a déjà donné sa vie. Et il peut le dire, et nous appeler à donner notre vie. Donc, regardez Jésus. En quittant, regardez Jésus, c'est le projet d'une vie. C'est à tous les jours qu'on ouvre la Bible et qu'on fréquente la Bible et qu'on découvre Jésus. C'est à tous les dimanches qu'on va à l'Eucharistie recevoir Jésus dans notre cœur. Parce que ce qu'il y a de magnifique avec Jésus, c'est que non seulement il vit l'amour avant même d'en parler, non seulement il en parle avec profondeur et sagesse, mais en même temps, à cela s'ajoute le fait qu'il a le pouvoir de nous rendre capables d'aimer. Lorsque l'on fait l'échec de l'amour dans notre propre vie, et qu'il ne fait pas l'échec de l'amour dans sa propre vie, dans le sens simplement de dire, je voudrais aimer davantage, mais j'y arrive pas. Je voudrais prier davantage, mais j'y arrive pas. Je voudrais pardonner davantage, mais j'y arrive pas. Je voudrais servir davantage, mais j'y arrive pas. Ça va peut-être vous étonner, mais je dirais que c'est une expérience importante. Ne gaspillez pas l'expérience de votre fragilité. C'est très important dans la vie de faire l'expérience de sa fragilité. Parce que l'expérience de sa fragilité, de notre fragilité que tous nous faisons, la reconnaissance et l'acceptation de notre fragilité nous amènent à reconnaître que nous avons besoin d'un sauveur pour aimer. Qu'on n'y arrive pas par nos seules forces. Combien de fois on s'est dit, demain, je vais faire plus, et demain arrive et on fait moins. Combien de fois que ça arrive? En tout cas, peut-être que vous, c'est jamais arrivé, mais moi, ça m'est arrivé souvent. Je me souviens comme séminariste là, d'aller en retraite la fin de semaine, là, puis de me dire, faire mes résolutions dimanche après-midi, puis de me dire à partir de lundi, là, je vais prier plus, je vais pardonner plus, je vais servir plus. Puis le lundi arrive, je prie moins, je pardonne moins, puis je sers moins. C'est une expérience très importante parce que c'est cette expérience de notre fragilité qui nous amène à prendre conscience jusqu'à quel point on a besoin de Jésus-Christ. On ne réalise pas jusqu'à quel point on a besoin de Jésus-Christ. Et l'expérience de notre fragilité, ça peut être une occasion de tristesse, de désespoir, mais ça peut aussi être une occasion de découvrir la miséricorde de Dieu, et non seulement son pardon, mais son pouvoir de transformer notre cœur et de nous rendre capables d'être fidèles dans l'amour, d'être fidèle, non seulement de nous donner, mais d'être fidèle dans le don de soi. La vocation, j'ai parlé tout à l'heure là, de l'amour qui est compliqué. Je nuancerai ça un peu. C'est vrai que l'amour est compliqué, mais c'est peut-être dans la mesure où là aussi l'amour est simple. On pourrait peut-être dire l'amour est complexe et simple en même temps. Love is complex. Love is complex and simple at the same time. The body is complex but simple because it's united. But it's complex. But it's simple because there's a unity of the body. L'amour, c'est complexe, mais en même temps, c'est simple parce qu'il y a comme une unité de l'amour. Je vais vous poser une question piège. J'annonce que c'est une question piège. Quelle était la vocation de Marie? Quelqu'un peut répondre. Quelle était la vocation de Marie? Engendrer Jésus, être la mère de Dieu, être l'épouse de Saint-Joseph. Les réponses s'améliorent, donc. Disons, dans un certain sens, c'est évident que sa vocation, c'est d'être la mère de Dieu. Mais en même temps, ce n'est pas sa vocation fondamentale. La vocation fondamentale de Marie, ce n'est pas d'être mère de Dieu. La vocation fondamentale, c'est d'être enfant de Dieu. C'est ça sa vocation fondamentale, d'être enfant de Dieu.
Et c'est parce qu'elle a été et qu'elle était et qu'elle est enfant de Dieu qu'elle est mère de Dieu. Et lorsqu'on va rencontrer Marie au ciel, on va rencontrer la mère de Dieu, mais on va aussi rencontrer celle qui ne cesse jamais d'être l'enfant de Dieu. Alors, je suis humble servant du Seigneur qui me fait que soit fait selon ta parole. C'est l'enfant. C'est l'enfant qui fait confiance. C'est l'enfant qui cherche la volonté du Père. C'est l'enfant qui cherche la volonté de Dieu. C'est l'enfant qui veut répondre et qui veut être uni au Père en étant uni à sa volonté. C'est l'humble créature de Dieu qui reconnaît que je viens de Dieu, je suis une créature de Dieu, je suis l'humble créature de Dieu, je suis enfant de Dieu. La vocation humaine fondamentale de tout être humain et dont on et qui se réalise au baptême de façon, je dirais, par la grâce de Dieu, c'est la vocation d'être enfant de Dieu. Ça, c'est la vocation, et c'est vrai aujourd'hui. Peut-être que je ne sais pas encore ce que je vais faire dans la vie, mais aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour vivre un enfant de Dieu? Si aujourd'hui, je vis un enfant de Dieu, je vais faire la volonté de Dieu, je vais découvrir ma vocation et ma mission. Mais c'est d'abord basé sur une vie d'enfant de Dieu. Nous sommes tous unis par la même vocation fondamentale à être enfant de Dieu. Par la même vocation fondamentale à l'amour. Et c'est tellement important, c'est tellement essentiel, c'est tellement fondamental que Saint Jean de la Croix va dire au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Quelqu'un aura beau être puissant dans le monde, ou peut-être dans l'Église, avoir tous les titres, tous les diplômes, s'il n'y a pas aimé, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. La vocation fondamentale, c'est une vocation à l'amour. Cette vocation à l'amour, on a besoin de Jésus pour la découvrir, on a besoin des saints et des saintes, on a besoin des uns et des autres, parce que l'amour est saint dans son unité, dans sa profondeur, dans sa vérité, dans le don de soi auquel elle nous appelle jusqu'à la croix. En même temps, l'amour est complexe parce qu'il n'y a personne d'entre nous qui peut par lui-même refléter la totalité de ce que c'est aimer. Je ne sais pas, en Italie, il y a des mosaïques, en ailleurs aussi dans le monde, mais c'est plus en Italie que je les ai vues, il y a des mosaïques. C'est très courant comme façon de, comme œuvre artistique pour représenter la bonté de Dieu, la bonté de la création, l'œuvre du salut. Des mosaïques à trois dimensions. C'est peut-être à la veille. Des mosaïques à trois dimensions, donc c'est pas là, ça s'en va comme ça, des mosaïques. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans une mosaïque? C'est dans une mosaïque qu'il n'y a que de petites pierres. Mais quand il en manque une, ça paraît. Chaque petite pierre est importante. Quelque part, la vocation à l'amour, c'est comme une immense mosaïque que Dieu est en train de construire. C'est le royaume de l'amour éternel. Et dans cette immense mosaïque de l'amour, il y a des petites pierres. Nous sommes une petite pierre, que l'on soit portier comme Saint-André, Saint-Frère-André, que l'on soit pape comme Saint-Jean-Paul II, on est une petite pierre. Et chacun et chacune d'entre nous, on a notre vocation fondamentale, c'est une vocation à l'amour, mais on est une petite pierre. Mais dans une mosaïque, on est une petite pierre dans une mosaïque. On n'est pas une petite pierre isolée. On est une petite pierre dans une mosaïque, et dans une mosaïque, chaque petite pierre est importante. Quand il en manque une, il manque quelque chose. Quand il y en a une qui est abîmée, il manque quelque chose. Et croyez que non seulement votre vocation fondamentale est une vocation à l'amour, mais que votre vocation à l'amour, que vous, avec votre vocation à l'amour, vous êtes très important. Très important. Dans le royaume de Dieu. Très important. Chacune de vos vocations, de votre vocation à l'amour, chacune d'entre vous, c'est très important. Vous n'êtes pas là, il manque quelque chose. Vous êtes là, vous enrichissez la vocation d'amour. Bon, alors, dans une mosaïque, aucune petite pierre ne peut à elle-même exprimer l'ensemble de la mosaïque. On
fait partie d'une belle œuvre, d'une grande œuvre. On apporte notre contribution. Alors, il n'y a pas un être. La vocation à l'amour, c'est une réalité tellement grande, tellement riche, en même temps que tellement simple, parce qu'elle a le pouvoir de nous unir, qu'il n'y a personne qui peut, par lui-même, par sa seule vie, refléter tout ce qu'est aimé. Jésus-Christ le peut parce qu'il est Dieu. Dieu seul peut exprimer la plénitude de ce que c'est aimé. Et dans chacune de nos vocations, nous sommes appelés une vocation à l'amour, mais nous sommes aussi appelés à refléter un aspect de l'amour, une dimension de l'amour. Et nous avons nos dons qui nous permettent de refléter une dimension d'amour, qui nous permettent de nous compléter les uns les autres, de nous enrichir les uns les autres. Et c'est vrai dans la vie de couple, c'est vrai dans la famille, c'est vrai dans l'Église, c'est vrai dans une communauté, c'est vrai dans un institut, c'est vrai dans une ville. Dans un mouvement, c'est vrai au séminaire. Chacun arrive avec sa vocation à l'amour, mais avec sa propre couleur. Et pas une couleur laissée à l'abandon par Dieu, une couleur voulue par Dieu, une couleur choisie par Dieu. En Dieu, il fait son tableau, il fait cette mosaïque de l'amour. Alors ici, j'ai besoin de telle couleur, mais je vais créer quelqu'un pour qu'il me donne telle couleur. C'est pas je vais prendre quelqu'un qui existe puis je vais lui donner une couleur. Je vais créer quelqu'un pour qu'il me donne telle couleur. Dès votre création, vous êtes voulu par Dieu pour exister. Dès votre vocation, vous êtes choisi par Dieu pour vivre et aimer. Dès votre création, vous êtes choisi par Dieu pour vivre et aimer et apporter votre couleur dans la mosaïque de Dieu. C'est la richesse des vocations, c'est la richesse de la multiplicité des vocations. On peut penser, peut-être qu'on a pensé à un certain moment que la vocation, c'était à la vie consacrée et à la prêtrise, et on parlait moins du mariage, par exemple, comme d'une vocation. Mais quelque part, tout est vocation. Vivre, c'est une vocation. Exister, naître, c'est une vocation à vivre et à aimer. C'est une vocation. La couleur qu'on va prendre comme sur ce chemin de la vie et de l'amour, c'est une vocation. Vocation au mariage. Le mariage, c'est une vocation. On a que revoir le récit de la création de l'homme et de la femme. Homme et femme, il les créa. Dans son père et sa mère, il dira à sa femme, ils ne feront plus qu'une seule chair. C'est une vocation, c'est un appel véritable. Et la vocation à l'amour, donc, qu'il s'agisse de la vie consacrée, qu'il s'agisse du diaconat, qu'il s'agisse d'être un célibataire dans le monde qui, de façon inconnue, sert dans la société, par le travail, par l'amitié, c'est une vocation. Il n'y a pas ceux qui ont la vocation, ceux qui sont oubliés de Dieu. Il n'y a personne qui est oublié par Dieu. Nous, on oublie Dieu de temps en temps, mais lui, il ne nous oublie jamais. Alors, croyez que vous êtes voulu par Dieu pour vivre, aimer et réaliser votre vocation à l'amour à travers un service, à travers une mission, à travers une tâche, à travers une vocation que l'on découvre. Et j'ose dire encore une fois, et je dis de façon très générale, parce que c'est au ciel qu'on va en savoir plus. Mais quelque part, c'est au ciel qu'on va connaître notre vocation. Quelque part, c'est au ciel qu'on va voir que Dieu va nous montrer tout ce qu'il a fait à travers nous, tout ce qu'il a fait avec nous, tout ce qu'il a fait en nous. Si on a comme des balbutiements, quelqu'un peut dire, moi, je suis appelé à être prêtre, mais c'est au ciel qu'on va voir tout ce que ça impliquait. Si on est dans le balbutiement. Et dans la vocation mariage, oui, je suis un tel pour me marier, mais c'est au ciel qu'on va voir tout ce que ça implique. C'est la beauté de la vocation, la beauté de l'amour, la beauté du don, la beauté de la communion, la beauté de la fécondité. C'est plus grand que ce que l'on peut percevoir ou imaginer. C'est toujours plus grand. C'est toujours plus grand parce que ça vient de Dieu. C'est toujours plus grand.
croyez à cette bonté, à cette grandeur de votre vocation à l'amour et à votre vocation à un service dans le monde et dans la société et dans l'Église. Et que Dieu est avec vous pour la réaliser. Tout à l'heure, nous allons ordonner trois diacres, qui est une des couleurs de la vocation à l'amour. Et qui met en valeur le côté service. Le diacre, qu'il devienne prêtre, qu'il soit pour ordonner prêtre ou pour être diacre toute sa vie, il est ordonné pour mettre en lumière l'amour comme service. L'amour, c'est mettre en premier le bien de l'autre. On le fait partout où on aime. Mais le diacre a comme mission de rendre visible qu'aimer, c'est de mettre en premier le bien de l'autre, de véritablement servir. Servir, c'est-à-dire, j'ai pas de plan. Je sers. Mon plan, c'est de servir. Servir, ça veut dire, tu ne déranges jamais. Je suis là pour servir. Servir, ça veut dire, je sers sans se regarder. Regarder là où il est appelé à servir et pas se regarder. C'est exigeant. C'est exigeant. Mais c'est important. C'est important de témoigner pour d'autres qui apportent à la vocation à l'amour leur propre couleur. C'est important de mettre en valeur la couleur de l'amour comme service. Parce qu'on a tous dans la vocation à l'amour à vivre le service. Et c'est important qu'il y ait une vocation dont le spécifique, c'est de manifester de façon visible qu'aimer, c'est servir. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'aimer avec notre propre couleur, il s'agit d'apprendre des autres couleurs et d'enrichir notre amour avec la couleur que les autres apportent. Nous, on a notre couleur, il y a des façons d'aimer dans notre vie qui sont comme évidentes pour nous. Tu sais, quelqu'un va dire, aimer, c'est bien sûr, c'est écouter. Mais partager, ça va peut-être être moins évident. Il y a besoin de rencontrer quelqu'un pour qui aimer, c'est partager. Et un autre pour qui aimer, c'est partager, c'est évident, mais c'est peut-être pas évident. Écouter, il y a besoin de reconnaître et de rencontrer quelqu'un pour qui aimer, c'est écouter. C'est pas évident pour tous qu'aimer, c'est servir, que c'est mettre en premier l'autre chaque fois de façon radicale. Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie, c'est Jésus. Et le diacre met en valeur. C'est exigeant. C'est exigeant. Parce que ça veut dire, il n'y a plus rien pour moi. Tout pour l'autre. Et c'est pas qu'il est le seul qui est appelé à vivre ça. Nous sommes tous appelés à vivre dans la vocation à l'amour, mais le diacre est là pour le vivre, puis en même temps d'être un signe visible de l'amour comme service et enrichir ainsi le tableau, la mosaïque de l'amour. Et quand on est diacre, on n'est pas seulement le diacre le temps qu'on est diacre, si on est pour être ordonné prêtre. Le prêtre ne doit jamais oublier qu'il est tout d'abord diacre. C'est pas pour rien que le sacrement de l'ordre commence par le diaconat. C'est parce que la prêtrise ou éventuellement l'épiscopat, ça ne sert à rien si ce n'est pas un service. Ça ne sert à rien. C'est aussi bien pas d'avoir. On a besoin de serviteurs, l'Église a besoin de serviteurs. Jésus-Christ, qui s'est fait serviteur, qu'on appelle les chants du serviteur dans Isaïe, Jésus-Christ qui s'est fait serviteur, appelle les hommes à être serviteurs et à donner leur vie pour servir Jésus-Christ et son Église. C'est pas un service, ça sert à rien. Il n'y a pas de carrière. Ça n'a rien à voir avec une carrière. C'est un don de salut. Alors, croyez à votre vocation à l'amour, croyez qu'on a besoin. Il y a non seulement notre propre vocation à l'amour, la propre couleur de notre vie, la propre mission à l'intérieur de la vocation à l'amour, mais qu'on a besoin aussi des couleurs des autres. Et que c'est ensemble qu'on est fort. Ensemble. L'Église, peuple de Dieu, est appelée à être un signe visible dans le monde de la mosaïque de l'amour, avec la richesse de ses couleurs et de ses missions, pour pouvoir témoigner dans le monde de l'amour de Dieu.
ceux qui vont être ordonnés diacres seront Christophe Guillet, Claude Mbocci, Franck Scalia, la Sainte Église, notre Mère, vous présente nos frères, Christophe Guillet, Claude Gauthier et Franz Carrière, et demande de vous les obtenir pour la charge du diacre. Savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Monseigneur, le peuple chrétien a été consulté. Ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés pour cette charge. Christophe, Claude, Frank, mes fils bien-aimés, pour répondre à la demande que l'Église adresse à ceux qui l'appellent aux ordres sacrés, vous avez choisi de vivre dans le célibat. En acceptant par amour les exigences de cet état, vous manifesterez votre disponibilité pour tous les hommes et par votre vie, vous témoignerez que Dieu doit être aimé plus que tout. Christophe, Claude et Frank, voulez-vous, pour signifier le don de vous-même au Christ Seigneur, garder toujours cet engagement au célibat consacré à cause du royaume des cieux, en vous mettant au service de Dieu et de votre prochain? Pour manifester votre résolution au nom du Seigneur, avancez. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons nos frères, Christophe Guillet, Claude Ganji et Frank Scalia, pour l'ordre des diacres. Thank you.
Avant d'être ordonné diacre, il convient que vous déclariez devant l'Église ici rassemblée votre ferme intention de recevoir cette charge. Christophe, Claude, Frank, voulez-vous être consacré à la diaconie de l'Église par l'imposition de mes mains et le don du Saint-Esprit? Voulez-vous accomplir votre fonction de diacre avec charité et simplicité de cœur pour aider l'évêque et ses prêtres et faire progresser le peuple chrétien? Voulez-vous, comme dit l'apôtre Paul, garder le mystère de la foi dans une conscience pure et proclamer cette foi par la parole et par vos actes, fidèles à l'Évangile et à la tradition de l'Église? Voulez-vous garder et développer un esprit de prière conforme à votre état et dans la fidélité à cet esprit, célébrer la liturgie des heures en union avec le peuple de Dieu, intercédant pour lui et pour le monde entier? Voulez-vous conformer toute votre vie aux exemples du Christ, dont vous prendrez sur l'autel le corps et le sang pour le distribuer aux fidèles? Christophe, promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Promettez-vous de vivre en communion avec moi et mes successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le promets. Que Dieu lui-même achève en vous ce qu'il a commencé. Amen. Frank, will you promise respect and obedience to me and my successors? I do.
May God, who has begun the good work in you, bring it to fulfillment. My dear people, let us pray that the all-powerful Father may pour out the gifts of heaven on these servants of his whom he has chosen, deacons. Thank you.
Sacrement dont nous avons reçu la charge, sanctifie par l'ordination ce que nous te présentons pour le ministère du diaconat par Jésus le Christ, notre Seigneur. Almighty God, be present with us by your power. You are the source of all honor. You assign to each his rank. You give to each his ministry. You remain unchanged, but you watch over all creation and make it new through your Son, Jesus Christ, our Lord. He is your word, your power, and your wisdom. You foresee all things in your eternal providence, and make due provision for every age. You make the church Christ's body grow to its full stature as a new and greater temple. You enrich it with every kind of grace and perfect it with diversity of members,
to serve the whole body in a wonderful pattern of unity. You established a threefold ministry of worship and service for the glory of your name. As ministers of your tabernacle, you chose the sons of Levi and gave them your blessing as their everlasting inheritance. In the first days of your church, under the inspiration of the Holy Spirit, the apostles of your Son appointed seven men of good repute to assist them in the daily ministry, so that they themselves might be more free for prayer and preaching. By prayer and the laying of one of his hands, the apostle entrusted to those chosen men the ministry of serving at tables. Regarde maintenant, Dieu très bon, ceux à qui nous imposons les mains aujourd'hui. Nous te supplions de les consacrer toi-même pour qu'ils servent à l'autel et accomplissent la fonction diaconale. Envoie sur eux, Seigneur, l'Esprit Saint, par lui qu'ils soient fortifiés de cette don de ta grâce pour remplir fidèlement leur ministère. Fais croître en eux les vertus évangéliques, qu'ils soient animés d'une charité sincère, qu'ils prennent soin des malades et des pauvres, qu'ils fassent preuve d'une autorité pleine de mesure et d'une grande pureté de cœur, qu'ils s'efforcent d'être dociles à l'Esprit. Par leur fidélité à tes commandements et l'exemple de leur conduite, qu'ils soient des modèles pour le peuple saint, en donnant le témoignage d'une conscience pure, qu'ils demeurent fermes et inébranlables dans le Christ, en imitant ainsi ton Fils Jésus, venu pour servir et non pour être servi, qu'ils obtiennent de partager sa gloire dans le ciel, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Christophe, recevez l'Évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentifs à croire à la parole que vous lirez.
croyez ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Amen. Claude, recevez l'Évangile du Christ que vous avez la mission d'annoncer. Soyez attentif à croire à la vérité, à enseigner ce que vous avez cru, à vivre ce que vous aurez enseigné. Frank, receive the gospel of Christ, whose herald you now are. Believe what you read, teach what you believe, and practice what you teach. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen.
qui, à l'occasion du 175e du Grand Séminaire de Montréal, partageant la même foi et la même charité, unis dans le même esprit et la même espérance, faisons monter vers Dieu notre prière unanime. Savira bi hayima naba munze guzo use naba hamagara bi umurimo ritari aba hawe kugira ko ni none ukamera kwabo kubere imbarutso imbaraga n'urukundo ibaga y'Imana kwati nziza mu mitima yabo n'ubungo zabo tubisaba Imana. Souviens-toi, Seigneur, qui habites dans l'Église catholique du pape François, des évêques et des prêtres, sanctifie-les, donne-leur ton esprit de sagesse, qu'ils dispensent avec droiture la parole de vérité. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Remember, O Lord, the men you have called to serve as deacons in your church. On this day, remember especially Claude, Christophe, and Frank, that they may keep a missionary zeal while accomplishing the work of the new evangelization. We pray to the Lord. Acuérdate, Señor, de aquellos que llevan una vida cristiana, de las personas que se dedican al servicio de sus hermanos y hermanas, de los religiosos y religiosas, de las vírgenes consagradas, de los padres y madres de familia y de sus hijos, para que sean siempre motivados y ayudados en sus diferentes labores y misiones que tuvieron su origen a raíz de su bautismo. Acuérdate, Señor, de tu amor. Souviens-toi, Seigneur, des jeunes qui s'engagent avec générosité en répondant à l'appel de Jésus, pour que l'exemple et le témoignage de la vie chrétienne des adultes encouragent toutes les jeunes chrétiennes à se faire disciples et missionnaires de l'Évangile dans le monde. Seigneur, des familles, que leurs attentes légitimes d'un soutien de la société ne soient pas déçues, que leurs membres se soutiennent avec fidélité et tendresse tout au long de leur vie, particulièrement dans les moments douloureux. Que l'engagement des époux l'un envers l'autre et envers leurs enfants soit un signe de fidélité et d'amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour.
souviens-toi, Seigneur, des communautés de vie consacrées, féminines et masculines de notre diocèse, afin que l'appel à une vie consacrée continue aujourd'hui dans notre Église. Aussi, que la vie contemplative fasse monter vers toi, notre Père, une prière de louange et d'intercession. Souviens-toi, Seigneur, des séminaristes pour que leur rencontre personnelle avec Jésus suscite chez eux le désir de t'offrir leur existence, donne-leur l'esprit de discernement et à ton Église donne les vocations sacerdotales, religieuses, consacrées et baptismales, afin que ton peuple grandisse dans l'unité et la paix. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie, accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux et celles qui te supplient, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Thank you.
Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde, Seigneur, à ton Église les biens de l'unité et de la paix dont nos offrandes sont le signe dans le mystère eucharistique par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le
Que le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and Eternal God, through your Jesus Christ our Lord. For at the Last Supper with his apostles, establishing for the ages to come the saving memorial of the cross, he offered himself to you as the unblemished lamb, the acceptable gift of perfect praise. Nourishing your faithful by this sacred mystery, you make them holy, so that human race, bonded by one world, may be enlightened by one faith and united by one bond of charity. And so we approach the table of this wondrous sacrament, so that in the sweetness of your grace, we may pass over to the heavenly realities here foreshadowed. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration, and we, with all the host of angels, cry out, and without end we acclaim. Thank you.
saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta gloire, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Grand le mystère de la foi. Therefore, O Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven, and as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. By this name, you need to be reconciled to yourself. Grant that we, who are nourished by the body and blood of your Son, and filled with this Holy Spirit, make God one body, one spirit in Christ. And make us eternal offering to you. So that we may obtain inheritance with your elect, especially for the most blessed Virgin Mary, Mother of God, and Blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, and with all your saints, on whose constant intercession in your presence we rely for our faith. Regarde le sacrifice de ton Église, et honore celui de ton Fils, qui nous a établis dans ton alliance.
Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi et dans le monde entier, le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, ton humble serviteur, son auxiliaire Thomas, l'ensemble des évêques, les prêtres et diacres, spécialement Christophe, Claude et Frank, qui viennent d'être ordonnés, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Sisters, and to all who are pleasing to you, I give myself to this time. Give my time and thanks to you. Then we hope to enjoy forever the vision of your glory. Through your Christ our Lord, to whom you bestow on the world all that is good. Through him, and with him, and in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Unis dans le même esprit, dans l'Esprit Saint, prions ensemble celui qui nous a donné son Fils pour nous révéler notre vocation à l'amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangez un signe de sa paix.
Permettez-moi de vous répéter les consignes pour la communion. Écoutez bien, parce que c'est compliqué, c'est plus que complexe, c'est compliqué. Les prêtres défilent par ici pour aller du côté de l'autel. Les personnes qui sont dans cette section-là, vous sortez par l'autre bout, il y aura deux postes de communion. Vous prenez marche sur le sanctuaire. Les personnes qui sont de ce côté-ci, d'abord, les personnes sur les chaises, vous défilez. Et quand toutes les personnes sur les chaises ont pu communier, les personnes qui sont dans les stalles, vous sortez par l'autre bout pour revenir faire un sens unique. Même phénomène pour l'autre section de stalle, où il y aura aussi des postes de communion. Et finalement, il y aura des postes de communion dans la chapelle Notre-Dame des Victoires pour les personnes qui sont là. Thank you.
cœur. Et pour toi, nous avons faim de ton fils près de nous. À manger de ce pain de vie, thank you.
us pray. Grant, O Lord, we pray, that we may delight for all eternity in that chair in your divine life, which is foreshadowed in the present age by our reception of your precious blood, body and blood, who live and reign forever and ever. Monsieur Xavier, nous sommes toujours dans la joie de continuer cette joie. J'invite maintenant Son Excellence, Monseigneur Luigi Bonatti, le grand apostolique, de nous adresser quelques paroles. Ma première est simple, alors c'est de transmettre à vous toutes l'amitié. La prière et la bénédiction du pape François. Je crois que s'il était avec nous aujourd'hui, il aurait été très, très content. Et surtout de transmettre la bénédiction, la salutation du pape François aux parents, aux familles, aux pères et aux mères, aux parents de toi et diacres. Dans l'Église aujourd'hui s'enrichit. Je crois que c'est un moment de joie pour sa famille et je fais le vœu que beaucoup de parents, beaucoup de familles puissent expérimenter la joie d'avoir un fils ou une fille qui est appelé par Dieu à et se donner à lui et pour le temps aussi à se donner à la famille de l'humanité, à servir les hommes et les femmes d'aujourd'hui. And especially I wish you to bring with you, like planted inside with you, coming out from the church today, this beautiful image that our Archbishop, Monsignor Lepine, has entrusted to us, this image of the mosaic. Nous sommes ce mosaïque. Nous sommes, chacun de nous est la pièce du mosaïque. Et chacun de nous contribue à rendre beau, digne d'être. Regardez et admirez cette pièce qui est la mosaïque. Mosaïque de l'amour, mosaïque des vocations, le mosaïque de la famille, le mosaïque de la paroisse, le mosaïque du diocèse, le mosaïque de nos communautés religieuses. Chacun de nous est cette pièce qui avec son caractère, son couleur et ses talents contribue à rendre beau, vivant, comme je dis, digne d'être admiré. Alors, vraiment, que chacun de nous se parle de cette Eucharistie avec cette comme image nouvelle que l'archevêque nous a légué, nous a donné. Je suis une pierre, je suis une mosaïque. Et je suis à la fois une pièce de cette mosaïque à moi, Dieu, et faire de manière que ce soit une mosaïque artistique et vraiment qui donne joie à regarder. Demandons à celui aussi cette grâce. Et merci à chacun de vous pour cette engagement à porter, maintenant que nous sortons de l'Église, à porter cette mosaïque de l'amour, de la vocation, de différentes vocations en dehors de notre ville, de notre beau Québec, de notre beau Canada. Je veux remercier le Seigneur pour cette fête joyeuse et votre présence, Monseigneur Christian Lépine et l'Église de Montréal.
je vais vous féliciter parce qu'il y a trois serviteurs de Dieu maintenant qui peuvent servir ce peuple. Alors, félicitations à la fois. Vraiment remercier Monseigneur Christian Lépine et Monseigneur Luigi Bonazzi qui ont passé avec nous trois belles jours avec les jeunes d'ici. Nous avons passé de bons moments. Le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a touchés. Mais tout cela est grâce à une équipe, à une grande équipe qui est de bénévoles, de personnes engagées qui ont travaillé. J'aimerais bien personnellement remercier Guy Guendon. Près de 100 surprises, l'équipe du grand séminaire, les membres de l'équipe du grand séminaire de Montréal qui a pris en charge tout cet événement ou cette rencontre de jeunesse parce que les jeunes qui sont venus de plusieurs coins du Québec, de Montréal ou du Canada ont passé de belles journées de réflexion. Alors, j'aimerais bien maintenant à lui donner la parole pour qu'il nous présente les gens qui ont travaillé avec nous. Monseigneur, vous avez parlé d'une mosaïque, alors je vais faire lever à tour de rôle les différentes pièces de la mosaïque. Alors, je voudrais vous présenter d'abord mon comité d'organisation et notre centre d'action actuellement en arrière, en avant. Alors, je vais présenter Frédéric, frère Trinitaire, qui est avec moi. Adja, en arrière. On va applaudir à la fin, s'il vous plaît. Sébastien, qui est aussi à l'arrière. Adja, Sébastien et Michael qui s'occupe ici de la sonorisation. Alors j'aimerais maintenant, vu que le temps passe vite, que mon comité plénier, ceux qui ont participé à toutes les rencontres depuis près d'un an, se lève. Alors mon comité plénier, alors je vais se lever. Alors merci. Ensuite, les partenaires, ceux, les communautés religieuses, les associations de vie consacrée, les mouvements, ceux qui ont tenu les kiosques et ceux qui ont reçu les jeunes dans les communautés à se lever. Ils sont nombreux. Une partie sont cachés, ils ont beaucoup travaillé, j'étais très exigeant envers eux. Ils doivent dire, enfin, c'est fini, 175e. Alors, je voudrais que les scénaristes se lèvent, ils sont en arrière de moi. Alors, pour leur patience. Alors, je voudrais aussi remercier la chorale Notre-Dame d'Afrique, qui nous a fait vraiment une belle lecture. Pour qui on a fait l'événement. Merci d'être venu, d'être là. Alors, je pense aussi à tous les bénévoles, toutes les associations, je ne vais pas tout dénommer. Alors, vous savez, c'est près de 200 personnes qui ont contribué. Alors, je conclurai par ceci. Le Seigneur nous a permis de vivre trois mots. Conversion, discernement, émission. Notre appel à tous les membres de la mosaïque, c'est de développer une culture de la vocation dans notre Église et que le Seigneur nous accompagne. Merci. Durant toute la fin de semaine. Alors, c'est une grande tâche. Vous savez, dernier, mais c'est une belle tâche. On était heureux d'accompagner le GSM 175 durant ces trois jours
essayer de l'animer, enfin, d'essayer d'animer tout seul, on aidait le groupe qui est à travers cela. Mais il y a quand même une dernière directive pour le dîner. Alors, pour les invités, on pourrait aussi vous trois, nouvellement ordonnés. Alors, avec les tickets qui vous ont été donnés pour le dîner, on vous invite à vous rendre directement à l'effectoire. Donc, à l'étage en bas. Et pour les participants du GSM 175, on vous demande un petit peu de patience. Alors, à 2h10, si vous pouvez commencer à vous rendre au réfectoire, s'il vous plaît, pour le dîner. Alors, pendant ce temps-là, il y a la visite des kiosques qui peut se faire. Tous ceux qui sont ici, vous pouvez aller voir les différents communautés religieuses qui sont présentes à travers le Québec. Alors, c'est à vous de venir justement prendre le temps de visiter, de les questionner, ils sont là pour ça. Le Seigneur soit avec vous. Après chaque invocation, les nouveaux ordonnés sont invités à répondre Amen. C'est une bénédiction solennelle qui leur est adressée. Chers diacres, chers nouveaux diacres, Christophe, Claude et Frank, Dieu vous a appelé à être au service des autres dans son Église, qu'il vous donne un grand dévouement envers tous, spécialement vers les pauvres et les affligés. Dieu vous a confié la charge d'annoncer l'Évangile du Christ, qu'il vous aide et vous donne de vivre selon sa parole pour que vous soyez des témoins sincères et fervents. Dieu a fait de vous les intendants de ses mystères, qu'il vous donne d'imiter Jésus-Christ, son Fils, et de servir dans le monde l'unité et la paix. Et vous tous ici présents, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Thank you.
Thank you.